Donc, concrètement, c'est parti pour l'opération Masque pour tous. Donc, le conseil d'administration a pris des dispositions pour mettre à disposition quelques matériaux et confectionner des dizaines de masques à distribuer dans la communauté. Et accessoirement, il faut encore qu'on ait les coordonnées des uns des autres parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va encore pouvoir se réunir. Nous savons que ces masques lavables, conformes aux réglementations de l'AFNOR ou de l'hôpital de Grenoble, seront réutilisables à dessein, lavables. Nous avons aussi les indications pour pouvoir bien les porter, bien les entretenir. Et nous serons tous fiers de les avoir dans les tissus que nous connaissons. Les illustrations sont déjà là et ce qu'on voit, c'est déjà les commandes qui sont passées, effectivement. Et nous travaillons à la partie logistique parce que malheureusement, d'usage, dans un esprit de fair trade, commerce équitable, de développement durable, nous privilégions de commander nos produits depuis le Togo pour créer des activités génératrices de revenus dans la population. Mais là, vous savez que les conditions d'échanges internationaux sont devenues très dures. Donc, concrètement, nous avons identifié une bonne âme pour nous préparer ces masques à prix coûtant depuis la Belgique. Encore faut-il pouvoir convoyer. Mais, chers frères, bien sûr, et sœurs, nous savons que dans la communauté, nous pouvons, en utilisant les modèles, les patrons fournis, les tutos, nous pouvons les réaliser sur place. Et nous voulons en faire plusieurs. Donc, si chaque bonne volonté peut prendre l'initiative, mais toujours de la coordination en nous informant de ce dont il a besoin ou ce qu'il met gratuitement ou gracieusement à disposition, la quantité prévue, le planning, ça nous permettrait de nous organiser. Et ainsi de suite, nous pouvons même, nous souhaiterons pouvoir avoir beaucoup de quantité pour que les uns et les autres puissent aussi, dans un élan, et ce ne sera pas estampillé MICEP, hein, mais dans un élan quand même de notre communauté, pouvoir mettre à disposition des personnels d'auxiliaires de vie, parce que je pense que dans les hôpitaux, il faut un autre type d'équipement, et dans les maisons de retraite, et offrir cela de la part de MICEP. Et c'est aussi une bonne œuvre de charité, désintéressée. C'est l'amour pour ceux qui ne sont pas équipés. Et en plus, en termes de multiculturalité, ça peut être aussi très sympathique. Je pense qu'on se comprend et si nécessaire, vous avez nos coordonnées. Par email, vous pouvez nous joindre sur asso.micep@gmail.com. Vous pouvez aussi nous envoyer un SMS ou un message WhatsApp au 07 82 21 68 78. Toutes ces informations sont toujours dans nos messages que nous envoyons par divers canaux. Chères sœurs et frères en Jésus-Christ, bonsoir. Nous vous proposons une exhortation à continuer à veiller les uns sur les autres à tous égards. Selon qu'il est écrit dans l'épître de Paul aux Hébreux, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Hébreux 10, 24. Chères sœurs et frères, bien-aimés dans le Seigneur, nos lieux de culte sont provisoirement fermés, mais comme cela doit toujours être le cas, nous poursuivons notre vie spirituelle, d'abord en nous-mêmes et chez nous, tout en veillant sur nos proches, sans oublier la charité, j'entends amour fraternel, envers nos sœurs et frères que nous ne voyons plus, surtout nos aînés en cette période délicate. Demandons de leurs nouvelles et exhortons-nous mutuellement.
ce que fait très bien les frères et sœurs. Nous recevons des appels, y compris ceux des membres du conseil d'administration au nom de MICEP, pour ceux qui ont donné leurs coordonnées. Nous y reviendrons. Cultivons l'amour fraternel qui nous lie. Vivons et partageons les bons et les moins bons moments dans la charité. Et tout cela résonne avec les textes d'appui de la Commission Entraide et Solidarité, la diaconie de MICEP. Et comme il est écrit dans Galates, ne nous lassons pas de faire le bien. Continuons à faire le bien donc inlassablement. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Apprend-on dans 2 Corinthiens 8, verset 7. Méditons. Charité, l'amour à l'œuvre, l'amour en action, la foi en action. Et sans polémique toujours, que serait la foi sans les œuvres? Méditons avec la parole de l'apôtre Jacques qui, au chapitre 2, verset 14 et suivant, prévient, supposons que l'un de nos frères ou l'une de nos sœurs n'aient pas de quoi s'habiller, ni de quoi manger tous les jours, si l'un de vous leur dit, rentrez tranquillement chez vous, mettez-vous au chaud et mangez à votre faim. Et si vous ne leur donnez pas ce que réclame leur corps, à quoi cela sert-il? Celui qui n'agit pas, sa foi est bel et bien morte. Et c'est ainsi d'ailleurs, par ce même principe, que nos frères de la messe du salut, disent la Bible, le savon et le toit. On peut prier les uns pour les autres et dans la mesure de nos moyens, soyons vigilants et un sourire, une assistance matérielle, selon nos moyens, veillons à cela régulièrement. Le passage de Jacques est assez clair, tel que présenté, que nous lirons chacun en notre temps. Et au chapitre 2, verset 17, il est écrit: Il est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira: Toi, tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par les œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô mon vin, que la foi sans les œuvres est inutile? Quelle exhortation dans la mesure des moyens à concourir, à s'entraider, à partager. Bien-aimés, beaucoup de choses se préparent, mais nous ne pouvons pas tout faire. Nous avons besoin des uns et des autres de propositions, de contributions pour œuvrer ensemble efficacement et porter des fruits en abondance et des fruits qui demeurent. Nous aurons besoin d'organiser des soutiens, des concours, après le déconfinement et cet impact de COVID-19 va durer. Anticipons, préparons-nous, tenons nos lampes prêtes et préparons des provisions. Et faisons-le ensemble, chacun selon ses compétences, ses talents. Et toutes les propositions sont bienvenues. Nos professionnels de santé, aides-soignants, infirmiers, médecins, nos consultants, nos auxiliaires de vie, chacun, nos artisans, sont honorés, félicités comme dans toutes les nations.
Nous avons encore besoin de l'aide des uns et des autres. Et pour parler familièrement, des bons tuyaux, faisons circuler l'information, vérifiez, avérez, s'il vous plaît. Et utilisons le mail, appelons-nous. Nous pouvons même organiser des conférences téléphoniques et coordination, coordination et partage de l'information vérifiée. Et notamment nos consultants, par exemple, vont disséquer les mesures gouvernementales, vont se documenter notamment auprès de la BPI pour que promptement le travail soit mâché pour les uns et les autres. Partageons l'information et mutualisons nos moyens. Ceci dit, je ne suis pas particulièrement mandaté pour exposer ici de manière anticipée les réflexions qui ont cours, mais nous y travaillons. Tout le monde est invité et associé. Le conseil d'administration fait un effort de coordination et en temps opportun, nous partagerons ce que nous aurions pu concevoir. Alors, soyons tous ouvriers avec Dieu ensemble. Nous servons un Dieu de multiplication. Comme le dit souvent le pasteur Victor, il ne connaît pas l'addition, encore moins la soustraction et les divisions. Concrètement, si nous lui apportons le peu de pain et de poisson, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il le multipliera. Le seul inconvénient de la multiplication, c'est que si on ne donne rien, on n'a rien. 0 fois 100 ou 0 fois 1 million égale 0. Et même si on apporte un petit, c'est-à-dire si on laisse une personne seule se démener, 1 fois 1 million, ça reste 1 million. Mais si nous sommes 2, 3, vous imaginez, 2 fois 1 million, c'est tout de suite 2 millions. En fait, une augmentation de 100%. Donc ce principe de multiplication, qui peut même devenir exponentiel, ben, c'est un secret que nous devons utiliser. Et nous devons nous exhorter dans cet amour à être toujours plus efficaces et ne dépendre de personne. Nous savons que nous le pouvons. Dieu, dans sa préscience, a mis les talents en chacun, près des uns et des autres, et il faut donc mutualiser. Et nous connaissons tous la parabole du talent. Si Jésus a pris cette image à quelqu'un à qui on a confié une pièce à l'époque, talent, et qu'il a enfoui sans faire fructifier, il a été maudit. Attention, œuvrons. Œuvrons ensemble. Dieu veille et il attend pour exercer son pouvoir de multiplication. Venez, tout est prêt. Sans précipitation, parlons de choses concrètes. Soyons utiles et fidèles, même dans les petites choses. C'est là que le Seigneur nous confiera de plus grandes. Démontrons comment nous pouvons construire, œuvrer ensemble, faire aboutir avec l'aide de l'alpha et de l'oméga. Ce qui nous donne à faire. Déjà, pour des besoins pratiques et de la vie quotidienne, nous avons eu des sacs, les fameux tote bags à l'effigie de Micep. Et ces sacs ont été utiles dans les familles, chez les amis. Ils ont même fait le tour du monde. Nous avons eu des sets de table avec de belles images qui nous font penser au tissu de nos parents, de nous-mêmes. Assez original, nous en avons offert. Donc nous avons déjà les sacs pour faire les courses. Nous avons les sets de table pour dresser la table. Ben, il nous manquerait quoi en cette période? Il nous manque les masques pour sortir protégés, faire les courses. Ce n'est qu'une illustration assez ludique et utile. Donc, parmi tous les projets, certains seront plus complexes. Nous soumettons le projet d'organiser la mise à disposition, la fabrication dans nos communautés de masques.
Donc, concrètement, c'est parti pour l'opération Masque pour tous. Donc, le conseil d'administration a pris des dispositions pour mettre à disposition quelques matériaux et confectionner des dizaines de masques à distribuer dans la communauté. Et accessoirement, il faut encore qu'on ait les coordonnées des uns des autres parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va encore pouvoir se réunir. Nous savons que ces masques lavables, conformes aux réglementations de l'AFNOR ou de l'hôpital de Grenoble, seront réutilisables à dessein, lavables. Nous avons aussi les indications pour pouvoir bien les porter, bien les entretenir. Et nous serons tous fiers de les avoir dans les tissus que nous connaissons. Les illustrations sont déjà là et ce qu'on voit, c'est déjà les commandes qui sont passées, effectivement. Et nous travaillons à la partie logistique parce que malheureusement, d'usage, dans un esprit de fair trade, commerce équitable, de développement durable, nous privilégions de commander nos produits depuis le Togo pour créer des activités génératrices de revenus dans la population. Mais là, vous savez que les conditions d'échanges internationaux sont devenues très dures. Donc, concrètement, nous avons identifié une bonne âme pour nous préparer ces masques à prix coûtant depuis la Belgique. Encore faut-il pouvoir convoyer. Mais, chers frères, bien sûr, et sœurs, nous savons que dans la communauté, nous pouvons, en utilisant les modèles, les patrons fournis, les tutos, nous pouvons les réaliser sur place. Et nous voulons en faire plusieurs. Donc, si chaque bonne volonté peut prendre l'initiative, mais toujours de la coordination en nous informant de ce dont il a besoin ou ce qu'il met gratuitement ou gracieusement à disposition, la quantité prévue, le planning, ça nous permettrait de nous organiser. Et ainsi de suite, nous pouvons même, nous souhaiterons pouvoir avoir beaucoup de quantité pour que les uns et les autres puissent aussi, dans un élan, et ce ne sera pas estampillé MICEP, hein, mais dans un élan quand même de notre communauté, pouvoir mettre à disposition des personnels d'auxiliaires de vie, parce que je pense que dans les hôpitaux, il faut un autre type d'équipement, et dans les maisons de retraite, et offrir cela de la part de MICEP. Et c'est aussi une bonne œuvre de charité, désintéressée. C'est l'amour pour ceux qui ne sont pas équipés. Et en plus, en termes de multiculturalité, ça peut être aussi très sympathique. Je pense que on se comprend et si nécessaire, vous avez nos coordonnées. Par email, vous pouvez nous joindre sur asso.micep@gmail.com. Vous pouvez aussi nous envoyer un SMS ou un message WhatsApp au 07 82 21 68 78. Toutes ces informations sont toujours dans nos messages que nous envoyons par divers canaux. Le conseil d'administration a lancé récemment une campagne pour vérifier si tout le monde va bien. On n'a pas tous les numéros, malheureusement. De même, on n'a pas tous les emails. Donc, n'hésitez pas. Si vous, dans votre relation, les uns et les autres, exhortez-vous pour nous fournir les informations pour qu'on puisse rester en contact le temps que dure ce confinement et au-delà. À votre disposition pour toute précision utile.